7h dans tout studio Télévision Nationale d'Haïti, Delma 33. Bonjour Haïti, bonjour, bonsoir le monde. Nous comptons ensemble avec aujourd'hui, vendredi 22 juin, pour nous capables de présenter au dernier sorti journal pour semaine ça. Et déjà, nous souhaitons passer un très très bon vendredi sur Télévision Nationale d'Haïti. Rapidement, mes grands points qui a dominé l'actualité. Trois tribunaux dans la centrale hydroélectrique Péling dans le département Santa Pia pour réparer pour capable augmenter la capacité Péling pour bailler plus courant dans le pays d'Haïti. Président République la Jovenel Moïse inauguré travail réhabilitation trois tribunaux Sayo hier jeudi 21 juin. 15e journée internationale en fonction publique la célébrée hier jeudi 21 juin. Pour marquer date ça, Office Protection Citoyen OPC organise une série de conférences à débat pour capable discuter et puis réfléchir sur question si là. Yon vétéran policier dans le département de l'Ouest a participé sorti 19 pour arriver jeudi 21 juin dans la formation sous question droit moun. Yon initiative la police nationale d'Haïti dans la tête collée avec la mission Nations Unies pour appuyer la justice haïtienne menu juste. Et puis à l'étranger, bataille commerciale entre États-Unis et Union européenne prend une autre dimension. Jeudi, l'Union européenne a commencé à appliquer décision pour limiter 25% de taxes en plus sur jean, bouton et quelques produits agricoles qui sortent dans le pays américain. C'est pour ça que à quelques autres n'a pas été pour le journal aujourd'hui. Cependant, n'a pas été pour pas déplacer la première année. Merci pour fidélité et attention de retourner pour développement information. Et je note dit dans grand titre, président République la Jovenel Moïse inauguré jeudi 21 juin travail réhabilitation trois tribunaux dans centre dans pays d'Haïti. Cérémonie inauguration ça déroulé en présence de diverses autorités locales à la centrale et puis membres corps diplomatique à consulaire. En nous suivant reportage avec Esaïe Aurélis Pierre Hippolyte Duvigneau. Pour Kounia, centrale hydroélectrique Péling a produit à toute capacité qui c'est 54 MW. Avant travail réhabilitation Sayo, l'été compte fourni 28 MW. C'est compagnie française Comelex qui est spécialisée dans l'électromécanique qui réalise travail en bas contrôle électricité d'Haïti, EDH. Inauguration travail Sayo, c'est un pas important pour concrétiser promesse président République là pour faciliter pays à joindre courant 24 sur 24 d'après directeur général EDH là, Hervé Pierre-Louis. DG Pierre-Louis était quoi, gain l'autre travail qui doit fait pour sécurité investissement ça yo. Et déjà aujourd'hui, la centrale est en mesure de produire 54 MW qui est fait destinée à produire. On a franchi une grande étape, il reste encore des actions à entreprendre. Notamment, tous les équipements électromécaniques n'ont pas pu être totalement réhabilités. Il faudrait les continuer de manière à avoir une exploitation viable et sécuritaire de la centrale. Il faut continuer avec l'acquisition des pièces de rechange, effectuer à temps les entretiens programmés et, je dirais, accompagner les techniciens puisque la centrale aujourd'hui a une technologie de pointe. Donc il faudrait accompagner les techniciens à cette nouvelle, à sécuriser, à viabiliser l'investissement qui a été consenti. Important de remplacer le transformateur T2, puisque aujourd'hui, la centrale que vous voyez ici, il y a deux transformateurs de puissance. Un de 67 LVA qui permet d'écouler toute la puissance produite par la centrale, et un autre de réserve qui malheureusement n'a pas toute la capacité de laisser passer toute la puissance de la centrale. Président République là, Jovenel Moïse, dans l'intervention, fait qu'on est administration de la PAP Campé, dans le travail Cap Mété PIA sur le développement et puis favoriser bien-être de la population. Chef l'État a demandé population à payer pour courant et consommer à, pendant le rappeler, travail pour réparer différents micro-réseaux après possible. Courant 24 sur 24 là, son réalité, c'est sur route là, c'est pour rêve. Haïti pour aller courant 24 sur 24, car tout le monde, dans toute entreprise, toute industrie qui vient dans le pays, parce que on paye pour le développer, il faut une route, il faut un courant. Des grosses décisions, tant coup, décisions que le président Wanda a ce point pour le mettre
l'eau potable dans la ville qui gale à partir de rivières que j'ai la caille. C'est pourtant en Haïti, le peuple qui a gardé là, il fait nous suspendre rêver. Au peuple qui suspend rêver, suspend vivre. Au peuple qui suspend rêver, ou mourir debout. Eh bien, nous-mêmes, nous prenons décision pour nous continuer pour rêver. Pour une fois qu'on est le grand, le bon et le bien, c'est pour oublier tout. Les pas fait pour un groupe monde, les pas pour tout le monde. C'est droit, pas haïtien. Les gens qui vivent dans une zone reculée, les gens qui vivent dans Pidonville, dans Port-au-Prince, dans Cap-Haïtien, dans Okaï, dans Gonaïve, dans Hens, dans Mibale, c'est droit nous. Pour nous avoir courant, pour nous avoir de l'eau, même pour tout le monde. C'est droit nous. Pour nous avoir route. Pour nous aller nous, nous-mêmes qui savons être cap gardés là, nous bâtissons cap gardés, nous tomatiques, nous maïsables, c'est droit nous. Pour nous avoir route pour nous aller nous. Nous bouquons carré, c'est droit nous. Pour nous avoir route pour nous aller nous. Je dis, c'est pour le président qui l'a qui campé, qui veut dire nous parfois ça nous veut tendre. Mais il dit nous réalité. Mais pour route dans le pays, pour mettre courant dans le pays, pour mettre l'eau dans le bout des monde, à qui ça veut faire? Je demande à qui ça? Je vais me poser une question, ça je vous dis. Avec l'argent. Côté pour l'argent, côté pour le sorti. Partenaires internationaux, nous ne pouvons pas tout le temps sérieux pour nous mettre couille nous pour nous demander. Côté dignité nous. Côté fierté nous. Je dis à ce moment-là, apprendre qu'on est courant, ça a capté le péligre, c'est pour nous payer. Il faut nous payer parce que si nous ne payons pas, entretien le péligre par café. Étrangers, on va nous 100 million de dollars pour réhabiliter le péligre. Yo ban nous 23 millions de dollars pour réhabiliter l'île qui mène courant sur Port-au-Prince. Ça fait 124 millions de dollars. Mais reste ça, c'est pour nous café. Continuité nous. C'est pour nous café, pour nous payer courant. Nèg qui n'a pas quand elle en yo, n'a pas fait sur nous. Nous connaissons EDH, comment c'est mettre l'équipe sous pied. N'a pas le bon tout ça pour la justice, pour l'accompagnement. Depuis nèg comprendre, il y a monté sous poteau. Côté Lyon, l'air pour le bon Dieu, notre la capitaine, descendre. C'est dans l'année 2014, travail réhabilitation Sayo, qui inauguré jeudi 22 juin, a commencé. Il y a une série de travail qui coûtait plus de 100 millions de dollars américains et puis jeune financement, Banque interaméricaine de développement, BID, gouvernement pays l'Allemagne, avec Fonds international de développement, OFID. Travail, caravane, changement a continué dans le département nord-est, pays d'Haïti, surtout dans la commune Trou du Nord. Travail, ça y a avancé pour capable construire diverses routes avant fête patronale la commune Silla, qui a célébré demain, 23 juin. Falan Delphin, avec le roi d'Ali Jean-Jacques, a présenté nos reportages. Préparation est déjà faite pour travailler au commencer dans l'arrondissement Trou du Nord. Objectif là, c'est construire toute route qui gagne dans la commune Nord. Directeur départemental travaux publics Nord-Est-là, ingénieur Guy Amboise Oli, ben garanti travail ça a commencé avant fête Saint-Jean-Baptiste-là, Saint-Patron commune Nord. Dans la caravane, nous avons réhabilité, asphalté toute route qui gagne net dans Trou du Nord. Avant cette fête-là, pour nous, c'est nous qui avons fait le maximum possible. Eh bien, après fait là, nous avons continué toujours, nous avons fait tout, parce que c'est tout oui, net, président dit, c'est tout oui, même si corridor asphalté. Population dans la zone ça, pas de cacher satisfaction, yo, suite à travail ça, yo, qu'a fait dans la commune, non. Vivre plus bien, faciliter la circulation dans la commune, non. C'est axe ça, ou ça, yo, pour le servir, d'après quelques monde qui te profite, remercier chef l'État pour l'initiative ça. Moi, mes travaux dans le pays, c'est le premier travail pour moi. Moi, je travaille là-bas, c'est trop bon pour moi. C'est le premier président qui est venu, qui a fait travailler ça. Parce que par rapport à l'aide de l'OAT, qu'on a fait des gars, a nos problèmes parfois avec ça. La machine dans la boue, il n'y a pas de problème. Président Jovenel, qui est natif natal zone, te parlé avec mon arrondissement ça, sur plusieurs projets infrastructures qui gagnent pour exécuter. Yon l'année après, travail ça a déjà commencé, j'en sais te promettre là. Et nous te disons dans grand titre, Office Protection Citoyen OPC,
organisé jeudi 21 juin une série conférence débat dans local pour marquer 15e journée internationale la fonction publique là. Dans occasion responsable OPC a mis en Renan Edouville mandé fonctionnaires pour yo plus professionnel exercice fonction yo dans l'idée pour capable rendre la fonction publique là plus efficace. Puis loin protecteur citoyen et citoyenne yo encourager jeunes yo choisir rentrer et puis faire carrière dans la fonction publique là. Maintenant Renan Edouville Télamico Eotelo Marie Dieudonné à Coulbridge Moïse. Lorsqu'on travaille dans l'État, eh bien c'est pour un privilège qu'on gagne, ce n'est pas un travail pour faire, mais c'est un travail population. Hein? Population payée à travers des taxes, qu'on travaille en tant que juge, qu'on travaille en tant que policier, qu'on travaille en tant que n'importe simple fonctionnaire, ou bien devoir pour mettre service ou connaissance au service de la population. Donc la fonction publique, l'administration publique, eh bien, il doit d'abord un service public. C'est ça que tout le monde doit mettre en tête dans l'occasion, journée et internet. Et la deuxième chose que nous mettons accent sur libre, fonctionnaires sont là, ils sont capables de répondre. Nous mettons accent sur droits et devoirs, notamment devoirs que fonctionnaires doivent gagner pour ne pas impliquer dans sanitaire et les corruptions, pour ne pas recevoir des pots de vin qui ne sont pas capables de contrarier sanitaire et les travail, fonction publique, l'administration publique. Là. Il faut l'accrocher à la question de voix que le gagnant envers la société. Et l'autre accent que l'autre point que nous mettons accent sur les tours, et bien nous mettons accent et coordonnateur se dit ça, pour que le monde capable intéressé à faire connaissance, à apprendre davantage et prendre formation dans l'école, prendre formation dans le centre d'études, dans l'université, parce que fonction publique. Il n'y a pas de comme si m'dazo son bagage comme on capable rentrer là-dedans comme ça, mais son bagage qui doit faire son base de compétences, de connaissances, de formation, eh bien, il doit faire son base égalitaire, c'est-à-dire tout le monde doit avoir la même chance, pas de discrimination. Et lorsqu'on fonctionne ou employé fonction publique dans l'administration publique, on doit connaître que non seulement on travaille pour la population, mais on doit mettre intérêt pour entre parenthèses. Ou de mettre foi religieuse entre parenthèses, ou pas là comme si m'dazo pour travailler pour les protestants seulement, mais on doit travailler aussi pour les protestants, les catholiques, les vaudouisants, quelle que soit catégorie maintenant, quel que soit secteur là, depuis ces fonctionnaires employés de l'administration publique, de la fonction publique, ou au service de la population, parce que son job que la population bah, ou pour faire à travers impôts, taxes que ont même payé au niveau de la DG. Toujours dans le même sujet, c'est là, coordonnateur fonction publique là, dans l'Office Management à Ressources Humaines, OMRH, Henri Boussico, annoncé qu'il y a un document cadre pour fonctionnaires publics qui peuvent gagner pour capable écrire. Demain, ça rentre dans le cadre mais il prend pour capable renforcer et puis professionnaliser fonction publique là. Henri Boussico a apporté plus d'explications dans le micro Eotelo Marie Dieudonné à Cambridge Moïse. Qui s'allie exactement? Et nous constatons que il y a un pile de monde vraiment qui a plaidé pour la qualité de service que une série d'institutions a fourni par-ci, par-ci, par-là. Quand il y a nous-mêmes dans l'OMRH, qui ça nous fait? Quand il y a là, nous fait 6 institutions chita ensemble. Ok, la dernière, il y a DGI, il y a immigration, il y a DINEPA, il y a la douane, etc. Ils sont ensemble, ils signent déjà une charte d'engagement. Une charte d'engagement de la qualité de service. Une charte d'engagement, ça qu'on y a là, pour permettre que, ils même ensemble, ils promettent que, yo, ou bien ils engagent formellement, que, mais qui, paquet minimum, qu'il y a bail à la population. Nous fait fin signer ni qu'on y a là nous dans stade d'implémentation. Très bientôt nous allons inviter nous mêmes au MRH, nous allons inviter la presse de manière à ce que pour capable venir tendre et ou bien venir couvrir lancement ça que nous gagnons très bientôt pour nous faire côté que nous allons lancer véritablement chaque engagement ça d'engagement de la qualité des services pour tous les usagers dans l'administration publique en Haïti. Ente annonce le tout dans grand titio police nationale d'Haïti dans tête collée à la mission Nations Unies pour appuyer la justice haïtienne qui est pour siga minu juste mette bout jeudi 21 juin en série formation yotap organisé pour plusieurs policiers dans le département de l'Ouest pays d'Haïti.
C'est une série de formations qui fait dans l'idée pour sensibiliser les policiers sur la question du droit de l'homme. On nous suit un reportage avec Rodney Doléan et puis Hervé Pierre. Introduction aux droits de l'homme, attribution et responsabilité de l'inspection générale de la police nationale d'Haïti, c'est quelques parmi divers thèmes, plus passé une dizaine de formateurs qui ont eu l'occasion de débattre avec ensemble policiers qui ont participé dans 3 jours de formation. Participants qui ont sorti dans plusieurs commissariats et unités spécialisées dans le département de l'Ouest, qui ont pu devoir appliquer et puis partager formation et recevoir pendant le séminaire formation avec l'autre policier. Cette formation sous forme de recyclage répond à juste titre à un besoin de nos policiers de se rafraîchir la mémoire quant aux compétences déjà acquises et rentre dans un programme de la MINUJUST de former des formateurs capables de transmettre le savoir à l'ensemble des policiers. À bien regarder l'attitude des participants, l'engagement et leur participation durant les 3 jours où les débats ont été au paroxysme, nous déduisons chez eux un sentiment de grande satisfaction. Directeur départemental de l'Ouest PNH, Berson Soljou, qui était présent à l'occasion, quoi formation ça a après le permettre policiers de faire plus succès dans le cadre de travail. Ce séminaire arrive à un point nommé, à un tournant, où la police nationale d'Haïti se professionnalise. Donc il y a besoin de respect des droits de l'homme et de la personne. La police nationale, une police constitutionnelle qui, 87, qui prévoit l'ensemble des institutions, des forces de sécurité, et notamment la police nationale d'Haïti, qui a pour mission d'assurer la sécurité des vies et des biens de nos concitoyens. Ce séminaire répond à un besoin de professionnalisation de notre institution, chère à nous tous, et aussi pour permettre à nos collègues de pouvoir intervenir aisément dans les différentes missions confiées à la police nationale d'Haïti dans le strict respect des libertés publiques et des droits de l'homme. Inspecteur général en chef IGPNH là, Ralph Stanley Jean-Brice, rappelait policiers yo rôle yo na occasion cérémonie ça, pendant encourager yo mettre en application connaissance sur recevoir dans cadre formation ça. Toute mission de police commence et se termine avec le respect des droits humains. Le policier se doit de faire son travail de façon correcte, d'assurer la sécurité des vies et des biens, tout en respectant les droits de l'homme. C'est là tout l'art du travail policier. Comment faire correctement mon travail sans pour autant tomber dans une quelconque violation des droits de l'homme. Plus d'un pense que le travail correct ne peut être effectué qu'en bafouant les droits des autres. Mais nous avons pour obligation de respecter les normes, les codes d'éthique, de déontologie et tous les textes légaux régissant la police nationale d'Haïti. C'est en total 22 policiers qui te suivent ces séminaires formation ça. Participants à yo, dans l'occasion dernier jour, remercier l'initiateur pour des matchs ça, pendant yon bail garanti, yon pral mettre en application tout ça yon te recevoir pendant 3 jours de formation ça. Qui ça anémie face formier? Et puis qui j'en yon moun capable de gagner maladie si là? C'est sous thème ça, coordination projet dépistage, drépanocytose. Organisé jeudi 21 juin une séance de sensibilisation sur anémie falciforme dans l'hôpital Saint-Damien. Activité ça réalisée dans l'occasion Journée mondiale anémie falciforme qui est célébrée chaque 19 juin. On nous suivons un reportage avec Rachel Sefort et Pierre Vipia.
D'après les spécialistes, l'anémie falciforme, l'ancien anémie, mon anémie, il fait appel. Il prend la maman, la papale. Il déforme les globules rouges, il fait perdre la flexibilité. Ça qui la cause de boucher, de son sanguin. Et puis, il y a une douleur. Il y a plusieurs symptômes qui manifestent la crème qui a anémie falciforme. Ce qui a gagné, ça nous a fait douleur dans tout le corps. Ça nous a fait une crise vaso-occlusive. Ce qui a gagné, un gros anémie. Les gens qui ont un gros anémie, qui a gagné, les tout blanches, les yeux sont capables de jaune. Ils ont fait une jaunisse. Parce que ça a tellement détruit en pile, les yeux sont capables de jaune. Donc, li ka gagner tout moelle sur virus vin affecter moun nan moelle zone vin pa ka fonctionner donc li pa produit cellule encore li ka gagner ça nous relé tout et crise de séquestration qui ça qui crise de séquestration c'est la rate moun nan la rate moun nan c'est organe qui dans ventre li moun yo kon di graine ventre donc la rate ça c'est les comme si li capte tout sans moun nan sans vin pa circuler presque encore li capte et puis li met grosseur li enflé dans ventre ti moun nan ou bien dans ventre grand donc les crises ça fait si moun nan pas bien si moun nan k'ap tombé parce que li pa gen sang k'ap circuler tout sang yo vin kembe au niveau de rat moun nan. D'après docteur Nora Saint-Victor, dépistage néonatal c'est un facteur qui aide dans prévention complication maladie ça son bagage héréditaire ou fait avec ou hérédité avec. Mais qui ça m'a fait pour me prévenir vraiment complications maladie? Parce que y a une complication. Si mon nez a un stroke, sans que le pas fait tension, sans que le pas fait l'autre maladie, qui ça a un stroke là? Sans le pas circuler. Donc les bouchers viennent dans la tête li, et puis les vignes stroke, les gombols qui allaient, même j'avais avec grand monde. Donc premier bagaille qui aide vraiment dans la prévention, c'est ça nous relé dépistage néonatal. Qui ça qui dépistage néonatal? Donc, si tout que tout le monde en fait, nous connaissons nos pays à risque, parce que c'est plus qu'à mon noir ou qui gagne une phase de forme. Si tout que tout le monde en fait, il y a des programmes ou fait examen pour lui pour est-ce qu'il y a une trace anémie falciforme dans le sang. Si tout le monde a une trace anémie falciforme dans le sang, je vais prendre des médicaments, pas pour me guérir, non, parce que je ne vais pas retirer la trace dans le sang. Je vais prendre des médicaments qui aident pour globule rouge, comme si tout le monde casse plus longtemps, qui aident pour empêcher que le tout. Expliquer que quelque manger qui bon pour monde qui fait anémie falciforme. Maladie ça, c'est pas dépendre seulement de médicaments pour le prendre, yo capable vraiment vivre avec maladie ça avec ça que nous gagnons sous terre Haïti. Par exemple, nous t'ai parlé en pile sur question manger. Nous t'ai parlé de qui c'est de manger pour capable manger pour aider avec ça surtout avec nous t'ai parlé de véritable en pile haïtien par mais véritable alors ce véritable c'est un bagage qui très bon pour anémie falciforme lui aider parce que li gagne acide folique là-dedans qui capable aider avec maladie ça patate une série de fruits et par exemple épinards brocoli etc nous gagne cresson carotte bête rouge nous t'ai parlé de ça qui bénéfice que capable jeune dans ça lorsque vous mangez genre de manger ça responsable fait qu'on ait grand pile médicaments qui aide monde qui fait anémie falciforme yo va qui à occupation yo et puis améliorer qualité vie yo. Docteur Nora Saint-Victor explique l'hôpital Saint-Damien gagne en clinique anémie falciforme côté gagne environ 1250 monde qui gagne maladie ça cap suivre régulièrement yo ba au vaccin avec médicaments cap empêcher au éternuer souvent et puis cap aider au vivre plus longtemps. La guerre commerciale pays États-Unis provoquée par rapport à pays européens pour leur phase puisque l'Union européenne a commencé à appliquer décision Pali pour les capables de mettre 25% taxes en plus sur un pile produit américain. Et c'est ce dernière information. Ça n'a pas mis un bouton dans le journal là, mais avant nous aller, permettre que nous rappelons le grand point qui domine l'actualité. Trois tribunaux dans le centre hydroélectrique Pélig dans le département centre pays d'Haïti pour réparer pour capable augmenter la capacité Pélig pour mettre plus courant dans le pays. Président de la République, Jovenel Moïse, inauguré le travail de réhabilitation de trois tribunaux hier jeudi 21 juin. 15e journée internationale en fonction publique la célébrée jeudi 21 juin. Pour marquer date, c'est la Office Protection Citoyenne, OPC, organisé une série conférence débat pour réfléchir sur question CILA.
Yon vingtaine policiers dans le département de l'Ouest, pays d'Haïti, participé, sorti 19 ans pour voter 21 juin dans la formation sous question droit moun. Yon initiative police nationale d'Haïti, dans la tête collée avec mission Nations Unies pour appuyer la justice haïtienne, qui est possible, mais nous juste. Et c'est la journal arrivé dans bouti, équipe sportive l'a déjà mobilisé dans studio 2 pour capable apporter premier match à journée pour nous, puisque Brésil lui-même qui était fait match nul pour premier sortir là, pour aller pour les capable affronter Costa Rica, et bien c'est Gary, Dominique, Achalita qui a porté premier match ça pour nous. Et l'autre match qui a gagné pour journée à 11h, il y a Nigeria, Islande, un match fanatique argentin pour suivre un pile par rapport à défaite argentine 3-0 face à Croatie qui quittait Argentine avec un point. Et bien fanatique argentin pour aller sur match ça un pile pour connaître qui boy au garde pour dernière journée, c'est Jérôme Frank Seville avec Dominique Capote Matia pour nous. Et dernière match journée, c'est Serbie avec la Suisse. Et Rivo, Guy Petit Frère avec Itala, Capote dernier match journée pour nous. Nous avons passé un très bon vendredi et un très bon week-end sur le territoire national d'Haïti. À lundi matin.